C'est à vous la suite avec Marion, Pierre et avec nous ce soir un chanteur de 19 ans, devenu dès son premier 45 tours le chanteur préféré de Marguerite Duras. Nous n'irons plus jamais, ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais, comme les autres années. Capri, c'est fini. C'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Bonsoir, Hervé Villa. Bonsoir. Bonsoir. Il paraît qu'on vous appelle Babette. À votre convenance. Merci beaucoup. Ravi de vous accueillir ce soir à l'occasion de la sortie du troisième tome de vos mémoires du lierre dans les arbres, paru aux éditions Fayard. Capri, c'est fini, 1965. Oui, oui. Et vous disiez que ce jeune homme avait l'air inquiet ? Oui, oui. Là, je le vois, on sent, il n'arrive pas à se décoincer. Vous voyez, le masque est là. C'est qu'il a peur de rater son playback. Mais c'est terrible. Parce qu'on vous obligeait à chanter en playback. Et moi, j'ai toujours été très maladroit avec les playbacks. Mais c'est hyper dur, le playback. Ah, c'est une horreur. C'est une prison. Et vous ne le ratez pas, tout va bien. Oh, il est limite. C'est un playback limite. Eh bien, moi, ce n'est pas du tout ce que j'avais retenu de cette chanson merveilleuse qui nous accompagne depuis si longtemps, 1965. Et je disais que c'était le troisième tome de vos mémoires, du lierre dans les arbres, magnifique titre. Il faut bien trois tomes pour raconter votre vie de ouf. Mmh. C'est comme ça que l'un de vos lecteurs a résumé votre parcours à la lecture du premier tome, près de 500 000 exemplaires vendus. Oui. Il a une vie de ouf, ce mec-là. C'est vrai que vous avez une vie de ouf. Oui, vous savez, c'est un récit de... Mais ce qui est beau, c'est de... Maintenant, je parle de ce mec à la troisième personne. Je parlais de moi à la troisième personne. Comme Alain Delon. Parce que non, parce que c'est un héros. C'est un héros de roman, c'est romanesque. C'est l'histoire de la main tendue. Moi, j'ai rencontré des gens illustres dans ma vie qui m'ont nourri, qui m'ont tout apporté. Les plus grands musiciens du monde, les plus beaux écrivains du monde, les plus belles filles du monde, les plus beaux garçons du monde. Vous voyez, c'est formidable. Dans une phrase de la quatrième couverture de votre livre, on vous qualifie comme le fils de personne, le frère de tout le monde. Je trouve ça magnifique pour définir le parcours de ce gamin né dans un taxi à Paris, placé à 6 ans dans un orphelinat, ballotté de famille d'accueil en maison de correction et qui a cette carrière assez extraordinaire, qui devient le frère de tout le monde. Je suis devenu surtout le chanteur des mamans. C'est comme de par l'orphelin que j'étais, tout de suite les femmes, les mères de famille m'ont beaucoup porté, m'ont beaucoup adopté, justement à l'époque où j'ai démarré avec notre ami Christophe. La même année. Oui. Aline et Capri, c'est fini, 1965. Capri, c'est fini, 11 millions de disques vendus dans le monde entier à ce jour. Oui. C'était inspiré d'une pub touristique dans le métro et d'une chanson d'Aznavour. Racontez-nous l'histoire de cette chanson. Je l'ai déjà raconté beaucoup, mais je venais de me faire jeter du Golf Drouot. Et puis alors j'étais furieux, et puis je voulais prouver à Cordier que j'étais capable d'écrire des chansons. Cordier, on va en parler. Daniel Cordier, voilà. Grand héros, parce qu'il me disait, tu viens de signer un contrat, tu vas chanter ce qu'on te demande de chanter. Et moi, je disais, pas du tout, j'aimais Jacques Brel, Mouloud. J'aimais Juliette Gréco, j'aimais pas du tout les Wabdou Wap, les Yéyé, tout ça. Pas du tout, parce que je venais d'être disquaire, enfin je vous la fais court. Et à un moment, je venais de me faire jeter, et donc j'ai vu une affiche dans le métro où il y avait inscrit « Aller en vacances à Capri pour temps ». Et il y avait une chanson à l'époque, comme j'étais disquaire, d'Aznavour, qui faisait « C'est fini, fini, fini ». Il lui a dit 50 fois. J'ai joint les deux, je suis monté dans ma chambre de bonne et j'ai fait la chanson en 7 minutes. 7 minutes, composée à deux doigts sur un piano. Oui. Succès immense. Petit farfisa, vous savez ce que c'est un petit farfisa? C'est un petit piano comme ça. Ben non, je ne savais pas ce que c'était. Je suis un petit autodidacte, moi, vous savez. Ces paroles, vous les avez... souffler, chuchoter à l'oreille de Marguerite Duras, la dernière fois que vous l'avez vue, elle en a rougi. Oui, comme une petite fille, j'ai écrit dans le livre. C'est merveilleusement raconté, cette dernière rencontre, parce que quand elle ferme la porte, vous savez que vous ne la reverrez plus. Je ne la reverrai pas. Marguerite Duras n'était pas mon amie, contrairement à ce que l'on dit. C'était ma copine. C'est que je suis allé la voir un soir au théâtre où elle dirigeait Madeleine Renaud. C'est Bulogier qui m'avait emmené là.
Et c'est ça le livre, oui, c'est toutes ces rencontres que je raconte par hasard, par des gens, par une... et là, et il y avait cette femme qui buvait son verre de rouge et qui se levait de temps en temps. Et j'y allais naturellement tous les soirs après. Et elle me disait, qu'en pensez-vous, le chanteur? Et donc, et de temps en temps, j'allais la voir. Elle vivait là-bas en Normandie. Enfin, elle allait en vacances en Normandie dans cette maison. Et la dernière fois où je l'ai vue, oui, où je suis allé, elle m'a demandé de lui chanter Capri, c'est fini, en regardant la mer. C'était Marguerite, ça, vous savez. C'est un personnage hors du commun. Bah, mais t'as raison, il y a tellement de personnages dans votre livre. Ceux qui n'ont pas connu 65, ni même 75, qui vont lire ce livre, ils auront envie d'aller lire les deux précédents. Ah, j'ai cru qu'ils allaient envie d'aller se téléporter à l'époque. Il y a de personnages. Effectivement, après votre enfance compliquée, qu'évoquait Anne-Elisabeth, Daniel Cordier, dont on a tant parlé, joliment parlé, la semaine dernière, après sa disparition, lui, le secrétaire de Jean Moulin, qui d'un seul coup s'intéresse à tous les arts, c'est lui, vous l'expliquez très joliment dans le bouquin, il vous a sorti de l'assistance publique en devenant votre tuteur légal. Oui. C'est un type généreux. C'est mon passeur. Ouais. Moi, je n'ai pas connu le Daniel Cordier de la Résistance, bien entendu, je suis né après la guerre. J'ai connu le passeur d'art. En art, c'est-à-dire avec toute cette bande d'Iris Clair, les gens du buffet, il y avait les Klein, il y avait tout ça. Et moi, j'étais un petit gamin qui était tenu d'aller déjeuner chez lui parce qu'il était... C'était la loi, hein. Ah oui. Et là, il y avait des gens illustres tels que Malraux qui m'énervait, qui m'agaçait. Oh oui, racontez, à 15 ans, vous savez. Parce que André Malraux lui dit, vous n'allez pas chanter. Et là, vous avez un toupet incroyable. Non, c'était que nous avions été voir à l'inauguration du Chagall, à l'Opéra. Ouais. Là, et à un moment, il a dit à Daniel, mais qu'est-ce que c'est? Vous en faites un chanteur. C'est pas un chanteur. Et moi, j'ai répondu, pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais allez donc voir Jacques Brel à l'Olympia, ça vaut bien un Chagall. et à partir de ce moment-là, si vous voulez, Daniel a dit, bon, il est sevré, je peux le lâcher dans la vie. Mais... Oui, pardon, Pierre. Non, je voulais juste ajouter que Daniel Cordier, qui a tellement compté dans votre vie, il n'était pas non plus très excité que vous soyez chanteur. Non, il aurait voulu que je sois... plutôt que je fasse que je commence à faire des études, vous voyez, tout ça. Mais il a senti peut-être quelque chose en moi. Vous savez, moi, je venais d'un monde carcéral, je venais d'un monde clos... Je ne savais pas grand-chose de la vie. C'était, à part les 7 familles de paysannes où j'avais été transbahuté, parce que j'avais retrouvé ma mère bien avant. Et là, bon... Non, donc, si vous voulez, je lui ai dit que je veux être chanteur, comme je lui aurais dit que je veux être avocat. Vous voyez, non, mais c'est vrai. Bon, je l'ai bousculé. Il m'a présenté un grand disquaire de Paris et je suis devenu un grand disquaire. Oui, avant d'être un grand chanteur. Avant Daniel Cordier, il y a un autre homme qui a compté dans votre enfance, c'est l'abbé Engrand, oui, que vous avez retrouvé des années après sur le plateau d'Avis de Recherche. Oui. L'abbé Engrand, vous allez venir nous rejoindre. Je l'ai aimé comme jamais je n'ai aimé enfant au monde. Si vous êtes là et si nous entendons ces chants, c'est parce qu'il a mis tout son cœur dans cette création, il s'est donné pleinement lui-même. Je vous regardais, vous connaissez ses paroles par cœur, oui, ce qu'il dit de vous. Et à cet instant, ce qu'on ne sait pas, c'est que vous venez juste avant l'émission de régler les derniers détails de l'enterrement de votre mère. Voilà. Vous retenez vos larmes, j'imagine. Oui, ça se voit. Oui. Oui. Ben, c'est très dur. Et le soir, j'étais à l'Olympia. Et vous étiez sur scène le soir même. Et on a collé, pour ajouter un petit peu de peps, on a collé le curé à l'Olympia, qui n'avait jamais mis les pieds dans un musical, à côté d'un mandalire. Voilà. Donc la soirée était sauvée. Génial. Mais si vous voulez, oui, c'est un moment de ma vie. Je crois que cet homme, c'est lui qui m'a rendu excessivement populaire. C'est vrai. C'était qu'après, je me promenais en France, j'allais chanter, bon, je faisais mes tubes, tout ça. Mais les gens me disaient... Hervé, comment ça va? Alors, je faisais partie de la famille et il me disait, oui. Alors Hervé, comment ça va? Comment va monsieur le curé? C'était magnifique. Hein, vous n'êtes pas devenu chanteur pour la gloire, mais en revanche, regardez ce que la gloire quand même faisait et provoquait, suscitait autour de vous. On est en 1967. J'ai envie de chanter quand tu chantes. Hervé Villard,
20 ans, 34 chansons, 8 disques. En 1966, dans la course effrénée aux idoles, il rejoignit le peloton de tête. Est-ce que ça ne vous paraît pas un peu miraculeux d'être devenu une grande vedette de la chanson en aussi peu de temps? Si, il faut que je réussisse, il faut que j'y arrive et je ferai tout pour y arriver parce que j'aime ça, parce que j'ai envie de chanter, parce que c'est une force pour moi, c'est une... Je me dégage. Je me dégage. Ouais. Ça dégage. Aujourd'hui, il y a des mots comme ça qu'on emploie dans la vie courante. Ouais. C'est tout un langage de musicien. Ça le fait. Ça dégage. Ça dégage. Vous qui avez aimé tous les grands chanteurs français, les grands auteurs-compositeurs, ça vous énervait quand certains dans la profession disaient « Oui, mais c'est un chanteur populaire. » Oui. Non, ça ne m'énervait pas ce qu'il y a. C'est encore aujourd'hui. Bien sûr. Pour ce livre, par exemple, vous avez des gens « Non, on ne va pas lire ce livre de chanteur populaire. On ne va pas écrire une ligne sur c'est un chanteur populaire. » Ils ne veulent pas... C'est le manque de curiosité, vous voyez. On est classé, on est dans ce pays, c'est comme ça. Ce n'est pas le seul pays au monde où on voit les gens. Non, moi, je revendique... Le fait d'être un chanteur populaire, aimé, d'être monté sur cette scène, avec des gens, des milliers de gens. Vous savez, Annie Cordy parlait très, très bien de cela. Hein. Ces foules entières. Nous, nous avons connu les bassins houliers, nous avons chanté à la foire de l'olive. Vous voyez, on montait sur les places comme ça. C'était absolument fabuleux. Et aujourd'hui, les gens... ceux qui sont là encore, on les croise dans la rue et ils vous disent « Hervé, c'est gentil, écoutez, merci pour tout ce que vous nous avez donné. » Donc on n'a pas l'impression d'avoir été inutile, vous voyez, c'est ça qui compte. Et ils vous disent « Hervé, en 79, c'était nous. » Voilà. Quoi ce grand vide quand je pense à nous, c'était comme un défi au temps, le printemps. Mais non. C'est vrai que vous aviez écrit deux textes différents. Oui, oui. Il y en a un où vous a dit « Oh, ça fait trop rive gauche ». Oui, il a dit « C'est trop rive gauche ». C'est Renaud qui a dit ça. Ouais. Je ne comprends pas ce que tu dis. Et je lui ai dit « Mais tu n'as jamais ouvert un livre de ta vie. Qu'est-ce que tu parles ?» Et finalement, on a gardé le texte. Le texte rive gauche. Et qui maintenant est très populaire. Oui, voilà. Comme quoi, oh, quel monde. C'est à n'y rien comprendre. Ma petite Babette, vous savez, la vie est un ange. La vie est un ange, Julia dans les arbres. Et je le dis à nos téléspectateurs, Hervé, pendant chaque Ménéto, il disait « Merci de me recevoir, merci ». Mais vous êtes fou, Hervé, c'est nous qui vous remercions d'être venu ce soir. Oui, mais je suis toujours étonné, moi, qu'on me congratule. C'est jamais que Babette hein, qui est en face de vous.